Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Un bateau ça coûte combien? Alors, première chose, j'ai dû mettre mon jeu en anglais parce que je voulais tester un mode. Je l'ai retiré mais en relançant le jeu, ben je me suis rendu compte tout simplement que j'avais pas changé la langue donc et j'ai la flemme de relancer le jeu parce qu'il met toujours une plombe à se lancer. Bon bref, voilà, je m'en suis rendu compte quand j'étais dans l'écran de chargement. Donc, je le changerai peut-être au prochain épisode ou à celui d'après, je verrai. Donc, navré pour cela. On avait dit qu'on était en guerre contre l'Autriche, si je me souviens bien, dans une seconde guerre d'humiliation. Ouais, t'inquiète. On avait dit qu'on la ferait tout seul, peut-être, cette guerre. Non, on a fait juste venir la Toscane et machin. Bon, soit. Soit. On va s'occuper de ces choses. Alors, au niveau de nos techs, au niveau de nos trucs, je me remémore un peu de tout. Bon, il nous restait les diplos. Ok, ça avance et ça avance. Wow, on est bien. On est plutôt bien. Alors, ok, et on allait à machin également. La guerre des paysans. Ah, on connaît la guerre des paysans. J'aurais dû lire le pays de la guerre des paysans. Alors, on peut aller voir le délire de la guerre des paysans. Shadow Kingdom. Ok. Bon, tant pis. Tant pis. On a des colonnes. Oh, c'est mon nuque, c'est en anglais. Ouais, ok, d'accord. C'est ma faute. Désolé pour. Ouf, de vous avoir fait vomir. Du coup, les techs. Oui, là-dessus, moi, franchement, je regarde, on n'est pas en guerre. Ah, ok, t'as du. Bon, on va aller ici en attendant. T'as combien? T'as deux de sièges? Ok. Oui, ok, t'as redit ton truc. Ok. Ouais, là, alors, j'aimerais bien. Clairement, j'aimerais bien, mais non. Les techs, on est un peu en retard. On est sur un arme diplomatique. Est-ce qu'on prend un diplomate? On va prendre un diplomate, ça changera. Allez. Voilà. On a nos missionnaires qui sont à l'œuvre. Très bien, on est en train. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Mais bon. Coût de construction moins 10%, d'après ce que je peux voir. On va faire un réseau d'espionnage. Build Spy Network. Et on va revenir de toi, voilà. Et on va construire un réseau d'espionnage chez eux, voilà. Ça devrait augmenter rapidement avec notre doctrine d'espionnage. Bon, là, je garde toute mon armée stackée, hein. J'ai pas envie de faire l'erreur. Ok. Ensuite, Tyrol. Ouais, ok, on verra ça plus tard. On les termine, eux. Palatina, on va pouvoir te. Wow, déjà, c'est bien. Palatina, on va pouvoir te convertir. Ouais, on va te convertir. Intrigue en Berne. Skill de 2 ou 5 de tradition république. Mais à 50 de puissance militaire, je trouve ça un peu beaucoup. Ouais, mais bon. Ouais, non, non. Perdons 5 de tradition républicaine. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un switch d'armée. Voilà. Une fois que tu y seras. Voilà. Tu te casses à la rigueur. On est en guerre contre qui d'autre? Bah, c'est parfait. On va faire le siège là-bas. On peut prendre notre doctrine. Ouais, on va le faire corruption annuelle. Et. Ouais. Très bien. Faisons-le. Voilà. Et on peut prendre notre. Alors, rebelle efficacité support, fort de. On va prendre ça. On va prendre celle-ci. Voilà. Comme ça. On a tous les bonus. Et on va voir ce qu'on peut faire avec l'efficacité des rebelles. Parce que là, du coup, on a une belle efficacité des rebelles. Je ne sais pas où ça se transmet, ça. Je ne sais pas où ça peut se voir. Peut-être dans l'écran directement. Voilà, on va aller là. Baden, on n'est pas en guerre contre toi. Ça devrait tomber. Voilà, c'est nickel. Il y a des trucs à piller. Là, ouais, bon, on va piller.
passer ici. On a des emprunts, hein, non? Oh, on a pas mal d'emprunts. Peut-être pertinent de les rembourser prestement. Voilà, ça c'est bon, c'est pillé. Du coup, le réseau d'espionnage ici, hein, honnêtement, on s'en fout. Je vais aller là-bas. Bon, je pense qu'il reste un peu de trucs à piller, mais on va faire le switch après. Ok. Toi. Voilà. Et toi, t'es bien le. Ah, c'était pas le bon. D'accord. Voilà. Et là, c'est le bon. Voilà, on a bien le 2 de siège. On peut appeler la France à la guerre, ouais. Utilité médiocre. Ça m'intéresse de voir. Ouais, mec, on a 105% du coup, tes tours, ils durent 60 jours, quoi. C'est un peu beaucoup. On va aller te dire bonjour rapidement. Toi, on va terminer de pied. Tu fouilles, hein? Espèce de gueux. Bon, est-ce que c'est notre meilleur général celui-ci? On va prendre celui-là. Pas assez rapide. Palatina. Bon, il reste plus rien là, c'est bon. On va vérifier. Ouais. Attendons la fin du mois par principe, mais bon. Alors, moi ce que je veux du Palatinat, c'est force religion, war réparation, et ça, je pense que ça suffit. Piège de la capitale, coalition. Honnêtement, peut-être un peu moins de thunes, mais go pour le pillage. Ouais, coalition, mais honnêtement, là les pays quoi. Ça nous permet quand même de récupérer 1 et 1, ouais, c'est pas mal. Surtout à Berne. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on va faire plus souvent le pillage de capitale maintenant. Alors, Palatinat, je te veux ça. Pillage de la capitale, War Reparation. Un peu de caillasse. Voilà. On récupère combien, nous? On récupère 20, c'est toujours bon à prendre. Et le prestige, on en récupère 2. Ouais, super. Et c'est pour eux uniquement. Si je me trompe pas. For themselves. Ah, vous voyez? Là, c'est en jaune. Et en français, ils ont même pas mis le jaune. Les enfoirés, quoi. Enfoiré, encore une fois, là. Ah, bien! On a le bonus de. On passe au tier 4. Plutôt cool. Hansbach, toi, t'es réformé déjà, si je me trompe pas. Par contre, ça m'empêche pas de piller ta capitale, mais ça servira à rien. Donc, War Reparation. Ta thune. Ça suffira. For themself, ok. Hop. Ah ouais, Milan, ils vont vraiment les détruire là en fait. Là, on peut aller par là-bas. Hein. Voilà, on va dans la capitale ennemie. Oh, t'es pas le meilleur en siège, hein, c'est bien dommage. Mais bon, il se tape déjà. Ah ouais, on est vraiment pas mal avec la Suisse, hein, quand même. On va aller à Brescia, tiens. Hop, on va mettre un général, un leader. Elle est tellement pauvre, la langue anglaise, mon dieu, quoi.
Pas de fierté à avoir. Ça se passe en haut. Alors, efficacité de soutien aux rebelles, ça fait comment? Style map. On peut style des maps, ok. Sabotage reputation, c'est. Corrupt official. Encourager un. Support aux rebelles, il faut avoir 60. Bon, avec la vitesse qu'on a, honnêtement, ça devrait aller. Milan, tu veux la paix? Ouais, mais en fait, non, pas tout de suite. Ça, c'est papier encore, on va rester dessus. Si on peut rembourser déjà un premier emprunt. On va les laisser s'amuser dans nos forteresses, c'est pas grave. Franchement. En plus, on a des trucs à piller ici quand même. La capitale ennemie, ça n'existe plus. Brescia, c'est tombé. On va aller là-bas. On va les laisser faire mumuse. Gagne 7 par mois, c'est pas mal, c'est pas ouf. Hein. Ouais, occupe Ulm, si tu veux. Pour ce que ça m'apporte. On a qui d'autre à pouvoir convertir? Milan et Salzbourg. Salzbourg, je crois que t'es déjà machin. Bon, on va s'occuper de Salzbourg tout de suite. Ok, moins 1 d'agitation. Les cristals de Bohème, tant mieux, bien joué pour toi. On peut prendre une aptitude d'air, alors là ça m'intéresse. On va faire ça, je pense. Parce que ça c'est par ship trade, c'est pas la peine. On n'aura pas, et ouais bon on va prendre celui-là. Brescia c'est pillé, Milan c'est pas pillé, on va le piller. Alors, mettons du soutien aux rebelles, support rebelle, voilà. Support efficacité. Et j'ai jamais compris. Current révolte risque. Ouais, c'est pas énorme. Je préférerais presque le faire à Milan en fait. Ok. Bon, on verra bien de toute façon. Après, on pourrait le faire à nos vrais rivaux quoi. Ouais, mais c'est des rivaux gérables en fait qu'on a. C'est clairement des rivaux gérables. Beaucoup trop de liberté. Perdront de prestige, oui. On construit quoi là? Une manufacture textile, ok. Et Turin, ça se convertit tranquillement mais sûrement, quoi. Ok. Continuons de piller, de toute façon, il reste encore de la thune là, ouais. Gloire à nous, oui, gloire à moi. Ah, les Ulm se sont. T'y vas ou pas? Ouais, ça c'est bien. Les alliés intelligents, c'est intéressant. On a pris Salzbourg. Alors Salzbourg, il reste des trucs à pied. Non. Alors toi, tu vas aller ici. Et Salzbourg, on va juste te faire. Voilà qui est fait. Ok, et on gagne un peu de prestige. Et c'est pour eux uniquement. Ok. Salzbourg, c'est terminé. Milan, j'en. Ouh, attendez. Je vais faire une connerie là. Ça, ça serait ce qui est de mieux. Sachant que le but, c'est de montrer notre puissance. Hein. D'accord, on a perdu un truc. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre eux? On
peut corrompre leur truc. Supporte rebelle, je serais tenté, mais non, quoi. Oh, et mon Dieu, c'est impressionnant, quoi. Je crois qu'il y a un succès avec les... Le Spy Network. Voilà. 100 points de network. Franchement, je pense que c'est clairement gérable. On va se le faire, ce succès. Hop. Hop. Hop, voilà. Je pense que ça va augmenter tellement vite. Ouais, ça va augmenter très vite. On racle vraiment les fonds de tiroir là quand même. Hein. Ouais, Milan occupé des territoires. Ouais, l'Autriche va se surrender, ouais. Mais j'ai un peu envie d'attendre encore. Encore de la thune. Hein. Même là, ah, là, il n'y en a plus. Basse-Corinthe, il y en a. Ouais, je sais, on a pris de l'inflation. Pas encore remboursé. Peut-être au prochain mois. Bon, ici, c'est bon, c'est pillé. Notre lassitude de guerre, elle en est où? Ouais, ça va. Franchement. Ah ouais, d'accord, ok. La fin du monde, on connaît. Ah, c'est pas chez nous l'institution. C'est chez qui? Québec? T'es en train de me dire que le Newfoundland... La Nouvelle-France. La Nouvelle-France a chopé l'institution. Wow. Bah alors là, moi, je suis... Je dis pas que je suis sur les fesses, mais un peu quand même, quoi. Ça augmente ou bien l'institution? Ouais, ok. J'aimerais bien voir les cartes d'institution. Elles sont où? Elles sont là, je crois. Trade. Développement, building, là, trade good, institution, voilà. Mais j'aimerais bien voir où ça se développe en fait. Bon, on va attendre un mois, c'est pas grave. Ouais, Dalmatie, ouais, d'accord. Alors là, c'est cool. Ouais, ça augmente partout. Il n'y a pas un petit bonus qu'on peut avoir? Adjacent, c'est un accord. Adjacent, d'accord. Ok. Ouais, on pourrait peut-être développer ce pays-là. Ça nous coûte cher ou pas? Autant avoir une bonne capitale quand même. Après, est-ce qu'on a des... Ouais. Après se développer ici, mais ici, pff. Constant, ça peut être pas mal. C'est déjà à 30. Saint-Gaul, non, trop cher. Brisgau, c'est trop cher. Ulm, ouais, Ulm, ça serait top. Mais c'est trop cher. Bah, c'est trop loin de chez nous, en fait. Alors, ici, non, pas Novare, ouais. Mais Novare, c'est un peu. Écoutez, on va développer notre capitale. Je pense que ça fait sens. Allez, faire un édit d'accroissement. Voilà, encourageant le développement, ça ne coûtera que moins cher. On paye 25% plus cher, mais avec tous les bonus qu'on a, ça devrait aller. Développons le pays, c'est parti. Oui, ça devrait aller vite. Ça, on aura une belle grosse capitale comme il faut. Voilà, ce... Parme, il reste encore des trucs à piller. Là, je pense que c'est bon. Ouais.
Plus ça va nous augmenter notre puissance à un point. Ouais, boum. Encore une fois. Ça coûte 130 là quand même. Ouais, quasiment au prochain tour. Même naturellement, je pense. Hein. Oui, au prochain mois, c'est bon quoi. Voilà, c'est bon. Ça pop à Berne. Nickel. Ah, on peut pas retirer, c'est dommage. Bah, si ça pop à Berne, là, ça devrait être. Ouais, 3 par mois. 1 par mois, ok. 2 par mois. On peut le faire peut-être à Zurich. Ici, on va en profiter. Voilà, propagation de l'institution. Et ici, propagation de l'institution. On va rembourser nos emprunts aussi. La base corinthe, il reste plus rien. Ça, ouais, il reste de la thune là. Parmi, il reste de la thune. Créon, c'est bon. On a combien de. Ouais, ça commence à augmenter, on va. Corruption croissante. Bah écoutez, là ce qu'on va faire pour hein, juste à Milan. Moi ce que je veux de Milan, c'est simple. Alors l'humiliation, oui. War Reparation, ouais. Trade Power, ouais. Et ta thune. Te forcer la religion, ça te coûte très trop cher. Voilà. Et nous on récupère combien de ça? 133. Ça te permettrait d'embourser un autre emprunt. Et on n'a pas de diplomate. C'est pour ça que toi tu vas revenir. Hop. Voilà. Et on gagne 32. Ouais, ça c'est très bien. Ok. Voilà, on rembourse un autre emprunt. Hop là. Et celui-ci, c'est quoi? C'est l'Autriche. L'Autriche, du coup, moi ce que je veux avec l'Autriche, c'est. Pourrait forcer la religion de l'Autriche. Hein, quand même. Non, pour l'instant on va faire montrer notre puissance. Voilà. On gagne 30, on sera plus de 100 et on gagne 100 points partout. Allez, go. J'aurais pu piller la capitale là. Bon, c'est pas grave. Hop là, c'est bon. Voilà, c'est bien. On va gagner pas mal de thunes maintenant. Bon, non, ok. Tu veux des hommes? Vas-y, moi j'en ai. Bohème. T'es allé au Wittenberg? Ah, Bohème. Parce que la coalition, ça se présente comment? Quand même hein. Après Bad ouais. Ou Shurgard, on pourrait prendre Stuttgard, ça terminerait notre état au moins. T'es allié à la Bohème, au Palatinat. Lisgo, c'est eux. Serait pas mal hein. On pourrait mettre la Bohème en co-belligérant pour vraiment les dégommer de A à Z. On fait venir la France, la Saxon. On a nos réserves militaires qui sont à fond. Les réserves militaires françaises, eux, elles sont. Ah, attends, t'es dans une autre guerre, c'est-à-dire que toutes tes troupes. T'es dans une autre guerre contre qui? Moi, ouais, contre eux, donc tu vas la terminer ta guerre. On met pas la Bohème en co-belligérant, puisqu'on a rien à leur faire à part montrer notre puissance ou les humilier, quoi. Ou piller leur capitale à leur rigueur. Juste pour prendre ça et Isgo quoi.
terminer cet état-là parce que c'est l'état où on a des revendications. Ouais, voilà. Et après, il nous resterait plus que Bad. Toujours pour terminer nos trucs. Après, ça nous empêche pas de prendre plus, quoi, mais bon. Après, honnêtement, si on veut vraiment bien faire. Elle donne quoi cette mission pour rappel? Pendant 20 ans, ouais, c'est pas ouf. Je réfléchis. L'institution, ça nous coûterait combien? 1000 balles. Ouais, quand même. Quand même. Bon, après, ça va se développer extrêmement vite. Une fois que ça l'aura rapidement, on peut pas encore. 51. Bon, on va attendre janvier. Ouais, on pourrait déclarer la guerre à Shurgard. Shurgard, oui, à Wittenberg. Ah, la France ne vient plus. Bah ouais, voilà. Ouais, c'est. Après, on peut juste revenir là. Ça, moi, j'aimerais bien, mais là, ça commence à faire beaucoup. Pour ça, attendons que la France termine sa guerre. Par contre, ce qu'on peut. Ouf. Réputation diplomatique jusqu'en pendant 20 ans, tolérance envers la vraie foi, opinion de tout le monde est content. Oui bah, voilà. Par contre, on va améliorer nos relations avec nos alliés. Ah, c'est voilà. Ah, c'est toujours un peu le risque. Ça fait découvrir. Circulation de publications hostiles. Ouais, faisons ça. Par contre, financièrement, c'est plus la même. Hein. Pourtant, on n'est pas spécialement en retard. Hein. On a quoi comme bonus réputation diplomatique? Ouais, on a des bons trucs quand même. Pas en militaire, on est un peu faiblard. Honnêtement, on va faire ça. Ce serait une grosse guerre. Là, tu viens pas à la Toscane parce que. Ouais, mais t'as 23 000 hommes, mec. On va te proposer. On va te. Ask to prepare to war. Voilà. Hop. Maintenant, je regarde. Déclarer la guerre. Voilà, ça la tomate oignon. On fait venir Ilsgo. Pas de diplomate. On se dépêche. Bon, go. Voilà, il faut juste voir si tout le monde a rejoint. Ouais, tout le monde a rejoint avec les vassals français, faut pas l'oublier. Ok, bon, ça me paraît être une bonne chose. Bon, on peut aller directement à la capitale ennemie avec les deux de siège là. Et là, on peut aller directement à Augsbourg. Voilà qui est fait. Ah, bon, on va reprendre. On a un peu faiblard en militaire, on va prendre un militaire. Voilà. Voilà, le rouleau compresseur. Ah, il est juste. Ok. La Colombie française devient État français. Bah, très bien, ça veut dire que t'as peut-être terminé. Non, t'as toujours pas terminé ta guerre. Ok. Ah mince, on a perdu un gars, c'est ça? Non. Ah, là, un général, on a perdu. On recrute mon Zoan 1, s'il te plaît, qui est pas trop mal, si possible.
T'es nul à chier. T'es un peu meilleur. Et encore un. T'es vachement mieux. Ouais, c'est les deux mêmes en fait. On va se les garder. Hop. Alors, on se regroupe. Ouais, ça a été. Il est chaud. Tant pis et tant pis. Allez, on va. Enfin, pour plus tard, c'est pas grave. On va aller. Non, pas dans les alliés, dans les pays outragés. Voilà. On a pris Stuttgart, c'est très bien, c'était notre objectif de guerre. Le Palatinat, tu veux la paix, ouais. Parce qu'on te sort Palatinat. Voilà. Bah, Augsbourg est à nous. On va aller là. On va directement aller à Prague. T'as le 2 de siège, toi? Non. Toi, quel 2 de siège? Ah non, le 2 de siège, je crois qu'on en a. Bah tiens, tu sais quoi? Tu vas aller là-bas et tu vas aller à Prague. Voilà. Et toi, tu vas aller ici. Et on va bientôt pouvoir faire un réseau d'espionnage chez eux. Avant le 17. Ok, on attend un tout petit peu. Recall diplomate. Spy network rapidement. Voilà. Voilà, comme ça on va avoir tous les bonus qui vont bien. Alors là, du coup, l'institution, je pense qu'on peut mettre l'édit. Accroissement de la modernisation. Pour qu'à Fribourg, ça augmente de. C'est déjà présent. Comme quoi. Ouais, bah ça va être très rapide, c'est très bien. Ok. Bon, 21%. Eh, on est déjà avec la bombe à 17. Hein. J'avoue que les techniques là, elles sont vraiment pas mal. Hein. Faudrait que je les freine peut-être plus souvent, plutôt que prendre du diplomatique, honnêtement. Ou alors. Ouais, change tout catholique. Ouais, c'est terminé. On va aller là. On a pris Prague. Elle est là, ça n'a pas été pris ça. Ouais, let's go, je sais que tu veux la paix, mais en fait, moi, ce que je voudrais de toi, du coup, ces deux provinces-là, comment ça se chiffrerait pour toi? Parce que c'est la fin du monde. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même beaucoup même. Quand même un peu beaucoup. Prochaine tech. C'est quoi? C'est la productivité. On n'a pas de nouvelle doctrine, ok. Et short guard. Attendez, ça a combien de dev ça? Ah ouais, mais on bouffe une province à 30, ouais, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Si on prend uniquement ces deux provinces-là, ça pète. Si je prends juste celle-ci, c'est mieux.
Ok, on va se faire ça. On va prendre ta thune. On va faire. T'es quelle religion? T'es un. Ouais, ok. T'es réformé. Donc, du coup, ouais, dommage pour ça. Ta thune. War Reparation. Voilà, la thune. Hop, 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 hop. Voilà, on récupérera pas beaucoup en plus, hein. Mais bon, c'est toujours ça. Deux prix. Pillage de la capitale. Honnêtement, fais-moi un pillage de la capitale plutôt. Voilà. Voilà. Non. On pourrait les vassaliser. Ouais, ça coûterait. Hop. Bon, non. Mais bon. La flemme. Là, ça commence à chiffrer par contre. C'est le pillage de la capitale qu'ils aiment pas, hein, c'est ça? Eh ben, ils aimeront pas, c'est tout. Power projection. Ah, ok, d'accord. Et c'est pour eux uniquement. On prend juste ça, c'est pas grave. Déjà pas mal, hein, ceci étant dit. On attend notre mission, c'est laquelle? Ah! Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Toujours ça de fait, hein. On est en guerre contre qui d'autre? Ok. Toi, du coup, on va pouvoir te convertir. Non, t'es déjà réformé. Toi, t'es catholique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre toi? On peut pas te forcer la religion, par contre. Je sens que la Toscane a un peu de mal. Voilà. Nuremberg, c'est réglé. Nuremberg, qu'est-ce qu'on peut faire contre toi? Toujours ça de gagner. Et tu transfères ta. Ok. Et tu te convertis, hein, c'est ça? Ouais, réformé. Très bien. Reste qui d'autre? Bamberg. C'est où tous ces pays? Aix-la-Chapelle, c'est quoi? C'est protestant. Bah, ça va devenir catholique. Bon, après, on est tous dessus. Bon, ça va aller rapidement. On va aider. Ok, on gagne du manpower. Oui, bol. Prague, c'est bon. Ok. On va rembourser notre dernier emprunt, ça sera fait au moins. Voilà. Toi, t'es quoi? T'es réformé, c'est très bien. C'est qui d'autre après? Et toi, t'es réformé aussi. Ok. On a un territoire? Ouais. À moins 28 quand même. Ouais, ok. Alors, on peut proposer une loi si on peut avoir un plus de stab. Ouais, d'accord. Attrition, mercantilisme, advisor cost, développement de cost, mercantilisme. On va faire coup des machins. Vas-y si tu veux. Pardon, 28 du cas. Perdons ça. 5 de prestige. Voilà, comme ça nous fait coûter moins cher. Et nos gus. Alors on va y aller là. Je
pense qu'ils vont pas comprendre ce qui va leur tomber dessus là. Allez, go. Petit stack wipe. Ah mais reste un peu, attends. J'arrive. Alors, Aix-la-Chapelle, là, ouais, c'est ça. Ok. Et c'est pour eux uniquement. On est bon. Il reste qui? Bohème, Thuringe. Thuringe, t'es quoi? T'es normal. À faire, c'est juste War Reparation. C'est une. Et tu te casses. Force Religion. War Reparation. Et tu te casses. Ok. J'ai l'impression de jouer un empire. Un pays. L'empereur du Serge, honnêtement. Ok. Et qui d'autre en lice? Nous avons la Bohème. Bon, la Bohème, honnêtement. On va peut-être faire un pillage de capitale. Ah non, elle est pas assez bien développée. On va les humilier. War Reparation, Trade Power et Tatune. On gagnerait combien? 87, ok. Voilà, on ferait ça. Voilà, comme ça on est à 100%. Et on va prendre ce territoire-là. Ça ferait une koale. Ouais, ça ferait une grosse koale. Mais écoutez, franchement, on va la faire. Peu importe. Au bout d'un moment, faut avancer. Faut les avoir nos 100 provinces. Hein. Donc, bah t'existes plus. Bah tu me donnes toute ta thune au passage hein, quand même. On n'est pas des bêtes. Ok. On n'a pas de diplomate envoyé. Maintenant on en a. Voilà qui est fait. Nous avons. Je regarde et nous allons. Voilà. Et maintenant nous allons lécher des bottes. Voilà. La Savoie, tu peux passer si tu veux. L'instit, ça se passe comment? Faudrait 1000. Bon, une fois que ça va pop, ça va être bien aussi. On a combien de pays protestants dans le lieu? Ah, il y a une zone qui est bien protestant réformée. C'est en train de convertir ici et là. La Toscane peut se faire réformer. Ouais. La France, elle reste impassible par contre. Hein. Bon, vas-y, passe. Bon, la Bohème, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre la Bohème? On va attendre au prochain mois. Alors, publication hostile. Non, faisons ça pour l'avoir plus rapidement. Alors, support rebelle, ils ont quoi comme rebelle? Ouais. On va voir. Hein. C'est ici, normalement, il devrait y avoir beaucoup de. Ah, merde. Alors, on passe en position. 17 par mois, on gagne. Waouh, c'est les War Reparation. On gagne 8 de War Reparation. Eh ben, c'est parfait. Ça a pété où, du coup? Ça pètera ici dans 31 ans. Je pense qu'on a le temps. Donc, on va entraîner l'armée et voir
Je pense qu'on peut en faire. Oui, on peut en faire beaucoup plus. On va compléter par des canons. Voilà. Frontline est égal à combien maintenant? À 27. Donc on est à combien là? Là c'est 14. 4. Ouais, c'est bon. Ça dit canon. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, non, faisons ça. On va attendre le prochain mois pour gagner. Oh, bah si tu veux. Si tu veux, écoute, hein. Ça te chante. Bon, écoutez, on va avoir une frontline propre là. Voilà, on va passer à 12. Ça, on aura notre limite terrestre qui sera quasiment à. Quasiment à fond. Voilà, bam, 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 bam. Qui cherche des. Ouais, on s'en fout. Ok. C'est plutôt pas mal tout ce que je vois là. Toujours pas de coalition, hein, néanmoins. Ok. Bon. C'est plutôt bio cette affaire. L'institution peut la prendre ou pas? 800, ça coûterait. Ouais, une fois. En fait, il faut que Constance l'ait, c'est elle qui coûte le plus. Ouais, Constance coûte 130. Turin, pareil. Turin, c'est pas prêt par contre. Hein. On n'est pas prêt d'arriver. Hein. Une fois que Constance l'aura, on le fera. Après, Constance, c'est vraiment pas prêt de l'avoir non plus. Hein. Parce que Brisgau ne l'a pas ou Zurich ne l'a pas. Si. Ah, il faut. Ah, on va faire le test. Bon, on va attendre un peu. Voilà, on va accélérer la vitesse au maximum. C'est pas grave. 95, 17. Ouais, je sais qu'on peut construire. Je peux voir si Constance la chope rapidement. Ouais, 3 par mois, c'est énorme. Ça nous permet d'économiser aussi au passage. Ok, mais on continuera ça au prochain épisode. C'est vrai, j'ai pas fait ça. J'oublie. On fera ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens.